Salut les investisseurs et investisseuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors, une vidéo assez courte sur un sujet d'actualité qui a eu lieu récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 2 jours, avec une énorme annonce de Enbridge. Alors, je pense que vous devez connaître cette multinationale et si vous ne la connaissez pas, donc c'est une multinationale canadienne qui est basée à Calgary et donc elle est spécialisée donc dans le transport de pétrole par oléoduc. Et donc c'est littéralement l'entreprise numéro 1 dans ce secteur d'activité au Canada. Et pour vous faire voir finalement la machine de guerre qu'est cette multinationale, regardez sur les dernières dates. En septembre 2021, Enbridge annonce l'acquisition de Moda Midstream, une entreprise gérant donc des infrastructures hydrocarbures, pour 3 milliards de dollars. En septembre 2022, donc il y a quasiment un an, Enbridge annonce l'acquisition, donc nouvelle acquisition de Tree Global Energy, une entreprise construisant donc des parcs éoliens aux États-Unis pour 270 millions de dollars. Regardez, si on remonte un petit peu en août 2018, ça reste récent finalement, Enbridge annonce l'acquisition de Spectra Energy Partners pour 3,3 milliards de dollars. Et si on remonte en 2016, pareil, acquisition, etc. Et en fait, Enbridge, avec donc son CEO, est passé sur CNBC, CNN aux États-Unis, etc. pour faire une nouvelle annonce avec une nouvelle acquisition. Et donc, en gros, celle-ci, c'est Enbridge va acquérir 3 nouvelles entreprises aux États-Unis pour un montant de 14 milliards de dollars. Donc voilà ici l'annonce. Donc Enbridge a annoncé mardi avoir signé un accord en espèces et également en dette de 14 milliards de dollars américains pour acheter 3 sociétés de services publics établies aux États-Unis. Alors déjà que l'entreprise était numéro 1 dans son domaine au Canada et avec cette acquisition qui sera sans doute effective et validée courant de l'année 2024, eh bien elle va devenir numéro 1, mais pas au Canada, mais également aux États-Unis. Donc, elle est en train de conquérir tout l'Amérique du Nord avec cette acquisition. Donc, vous voyez, le géant des infrastructures énergétiques affirme que les 3 services publics détenus par Dominion Energy, qui sont East Ohio Gas Company, Questar Gas Company et des sociétés Westpro associées, ainsi que la Public Service Company de la Caroline du Nord. Donc Enbridge a expliqué qu'elle financerait sa transaction au moyen d'une combinaison donc de 9,4 milliards de dollars de contrepartie en cash et de 4,6 milliards de dollars en dette prise en charge. Et donc, grâce à ces 3 acquisitions, Enbridge calcule que cela va faire doubler la taille de ses activités, donc de services de gaz public naturel, et servira à rééquilibrer sa répartition d'actifs de manière égale entre le gaz naturel, les énergies renouvelables et les liquides. Et donc, grâce à cette monstrueuse transaction, son activité donc de service public de gaz naturel va devenir la plus importante en Amérique du Nord en termes de volume, avec une base tarifaire combinée de plus de 27 milliards de dollars canadiens et environ 7000 employés livrant plus de 9 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour. Vous imaginez, c'est juste monstrueux, à environ 7 millions de clients. Et donc, si vous allez directement sur le site officiel donc, de Enbridge, enbridge.com, vous avez donc le 5 septembre le communiqué de presse qui a été validé ici et les détails finalement de l'acquisition et de la stratégie et où va l'entreprise. Donc ça, ce sont les premiers points, d'autant plus que début août, vous voyez ici le 4 août, Enbridge avait annoncé donc de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre donc de cette année 2023 et continue d'orienter donc de façon très positive ses perspectives financières. Donc si vous allez sur le site officiel, vous allez dans la rubrique News et vous tomberez sur les différentes annonces et articles. Donc je vous laisserai, vous pourrez avoir la possibilité d'aller les lire sans problème. Et donc, ce qu'il faut savoir finalement également sur Enbridge, donc déjà, c'est déjà un mastodonte canadien, ça va devenir littéralement une méga structure en Amérique du Nord, la numéro 1 mondiale sans doute, dans ce domaine.
Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'Enbridge verse des dividendes depuis de nombreuses décennies, mais cela fait 28 années consécutives que l'entreprise verse des dividendes de façon croissante, donc elle fait partie de la fameuse liste des aristocrates dividendes. Alors, le seul problème, et non des moindres, parce qu'il est très très important, eh bien, c'est l'endettement de l'entreprise. Mais quand on écoute le discours du PDG, donc de Enbridge, par rapport à cette annonce qui a eu lieu, du coup, il y a 2 jours, on remarque que finalement, cette acquisition sur ces 3 sociétés-là aux États-Unis, donc, va renforcer sa position de leader non plus au Canada, mais au niveau Nord-Amérique, dans son secteur d'activité, donc en faisant en sorte d'augmenter forcément donc la clientèle, la distribution, le volume donc des transactions, l'augmentation des chiffres d'affaires, du bénéfice, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que Enbridge verse des dividendes depuis de nombreuses décennies, mais verse des dividendes de façon croissante depuis 28 années consécutives. Elle fait partie donc de la fameuse liste des aristocrates dividendes. Mais donc, quid quand même donc sur les questions à se poser par rapport déjà à cette acquisition qui est quand même énorme de 14 milliards de dollars, sachant qu'on a vu que en 2022, il y a un an, elle avait déjà fait une acquisition en 2020, en 2018 et en 2016. Donc finalement, sur l'espace de 6 ans, 7 ans grand maximum, elle a fait énormément d'acquisitions et elle a énormément engendré de dettes. Donc si vous aviez Enbridge dans votre watchlist ou également en portefeuille, eh bien ça peut également influencer sur votre prise de décision future concernant l'achat ou la revente de Enbridge de votre portefeuille. Voilà, c'était la petite actu de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !